Gad Elmaleh et Charlotte Kaziraghi. Le choc des cultures à Monaco qu'il n'est pas prêt d'oublier. Charlotte Kaziraghi est sur un petit nuage. La jeune philosophe de 32 ans a donné naissance à un petit garçon, le 23 octobre dernier. Bambin qui pourra se vanter d'avoir comme grand-mère Caroline de Monaco ainsi que Carole Bouquet. Il s'agit du deuxième enfant de Charlotte Kaziraghi. Elle a en effet déjà mis au monde un petit garçon prénommé Raphaël et dont le papa n'est autre que Gad Elmaleh. L'humoriste d'ordinaire discret sur sa vie privée n'hésite d'ailleurs plus à évoquer sa vie familiale. Il s'est notamment confié sur sa souffrance de ne pas voir régulièrement ses enfants. Mais depuis peu, il arrive également à en rigoler. Et notamment du fait que son dernier-né baigne dans deux cultures totalement différentes. D'un côté, le gamin, c'est l'arrière-petit-fils de Grace Kelly, celle qui faisait signe de la main à la foule depuis son balcon / oblique, de l'autre, il a son arrière-grand-mère marocaine, qui brandissait le poing vociférant en arabe depuis son balcon à elle, s'amuse-t-il sur scène, comme le rapporte Vanity Fair. Mais surtout celui qui s'est exporté aux États-Unis se met même à évoquer sa relation passée avec Charlotte Kaziraghi. Une vraie princesse, hein, le genre qui range sa couronne dans sa penderie, dévoile-t-il à son public en parlant de son ex-compagne. Il y a également une anecdote qu'il n'est pas prêt d'oublier. Une histoire qui marque encore un peu plus le choc des cultures. Il s'agit du jour où il a fait faire son passeport monégasque. Celui qui a été accusé de racisme imaginait naïvement qu'il suffisait d'aller au photomaton du coin, alors que c'est évidemment le photographe du palais qui se déplace, écrivent nos confrères de Vanity Fair. Et Gad Elmaleh d'expliquer au cours de son honnêtement show, moi j'étais là, bien sapé. Je me voyais déjà en train de faire tourner le tabouret pour régler la hauteur. Phrase qui provoque l'hilarité au sein de son public. Récemment, c'est avec beaucoup de tendresse et d'affection qu'il se livrait. Nous sommes toujours une famille. Charlotte est la mère de mon fils. Et c'est une merveilleuse mère, a récemment confié celui qui est également le papa d'un Noé.